T'es pas court. Ouais, toi, tu tues des oiseaux à la con et tu ramasses 900 dollars. C'est des oiseaux robots. Et ils ont dû dévorer des gens qui avaient un portefeuille. Un mec qui avait quand même 900 dollars sur ton portefeuille, c'est pas mal, hein. Après... Je suis pas sûr qu'il voulait acheter que du pain, quoi. Non, et puis bon, un pain au chocolat, ça coûte 10 à 15 centimes. Bah ouais, c'est pas énorme, hein. 10 à 15 centimes. Combien coûte un pain au chocolat? Je pense que ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être. Non, oh là non, non, c'est non, plus non, que ça. Oh là là, 1,10€, 1,30€. Ah, ça me donne envie de mettre des pains, mais des trucs énormes, quoi. Au chocolat? Ah bah bien évidemment. Oh, ah mais quand j'entends ça, franchement, c'est les mecs qui nous dirigent, je sais même pas combien ça coûtait. Mais ils sont tellement déconnectés de la réalité. Il y avait une émission aussi où vous avez fait venir un mec politique, c'était le ministre des Finances. Il avait évidemment ces tables de multiplication, il les connaissait pas. Donc compte. 9 x 7, ça fait combien? Je vous l'ai dit, 76, à mon sens, là. 9 x 7, non, ça fait pas, ça fait 63. Ah, 63, pardon. Ah oui. C'est où? Ah non, non, mais... Enfin, là. N'importe quoi. Donc ouais, donc c'était Nathalie Cotismo machin, son nom est trop compliqué, qui disait que NKM. Ouais, NKM qui disait que le ticket de métro coûtait 4 euros. Vous, la porte-parole du candidat du peuple, pouvez-vous nous dire combien coûte un ticket de métro? 4 euros et quelques. 1,70€. Raté. Benjamin Castaldi... Je pensais que le SMIC c'était à 1800 euros net. Ah oui! Ah bah putain, j'arrête tout de suite mes études et je vais au SMIC, hein, parce que ça. Le SMIC est à combien en France aujourd'hui? 5 000 combien aujourd'hui? Oui. Oh, aux alentours de 1800 euros net, un truc comme ça? Moins, c'est le salaire médian. 500. Hanouna qui avait dit que c'était parfois difficile de finir les fins de mois avec un salaire de 25 000 euros. En mode déconnade, j'espère. Bah, je sais pas trop, mais je pense pas. Jacques Seguela qui avait dit même si on est clochard, on peut arriver à mettre 1500 euros de côté. Putain, je dois être un ultra clochard alors, parce que putain. Même si on est clochard, on peut arriver à mettre de côté 1500 euros. Il y a El Khomri qui savait pas quoi. Enfin, combien de fois on pouvait renouveler un CDD alors que c'était quand même la ministre du Travail? On peut le renouveler combien de fois le CDD? 3 fois. Je ne pourrais pas vous le dire. Parce que vous ne le savez pas. 2 fois, qui est une mesure gouvernementale de votre gouvernement. Je préfère avoir. T'es sérieux? Je vise, je tire, pile au moment où je tire, tu sautes, donc t'as pris toutes les balles. Donc je t'ai soigné, mais moi j'ai pas touché du coup. Ah bon, ça me va. J'ai pas touché. T'as pas touché? J'ai pas touché. Non, j'ai pas touché. Et du coup, on aura notre récompense. D'où tu me mets une cartouche comme ça? Je lui mettrais bien une cartouche. Bon, je m'en vais. Oh lol. Salutations. Putain. Sans je descends, je vais voir le moteur. Ah. Merde. Ah, c'est bon, bon parce que là, c'est pas grave, je suis sous le sol. Retourner. Ok, t'es très bien. Parce que c'était retourné, mais comme tu l'avais retourné à ce moment-là, bah ça a fait monter dans la tourelle. Donc il s'est mis dedans et puis j'ai été dans le sol. Oh, ça fait du sang quand on tire dessus. C'est là, elle s'arrête et elle fait « Mais vous m'écoutez, bordel de merde !» J'ai eu peur au début, je me suis dit je m'en fous, et après j'ai dit putain, il va me balancer dans le vide. Je sais pas de quoi je suis capable avec une voiture. Bâtard. Oui, vas-y. Je voulais que tu glisses bien, du coup. Je t'avoue, j'ai un peu peur hein, quand même. Putain.
Je suis en train de glisser sur ta voiture comme sur une douleur. Justement, quoi. J'essaie de contrôler ça. Si tu déjà que de toute façon la voiture va s'arrêter. Vas-y, t'as pas confiance. Putain, mon père de la thune pour rien. Donc tu disais la voiture elle va quoi? Pourquoi Brick il a plus? Je sais pas. Mais alors toi t'as déserté et t'as tué des gens de la lance écarlate? Pushing, je sais pas trop. Et pour possession de d'espèces en. Tout ça parce que j'ai sanguine, putain je pourrais leur rendre. Conspiration de magie, de vol et de meurtre pour ce machin. Et pour l'autre, on voit pas trop. For murder, dismember of. Pas quoi, date, quelque chose. En gros, il a démembré des gens, il a tué des gens. Ah, bon. Qu'adieu à ta voiture. It's been a long day. J'ai un bug. Je peux plus. Je peux plus tourner mon. Eh, hey, mais oh! Attends, je descends. Mais pourquoi? Ma sensibilité, elle est descendue au max. Écoute, attends, remonte le temps que tu corriges tes problèmes. Que ça, je commence à faire la route. Mec, c'est un robot. Moxie, apparemment, elle a une quête pour nous aussi. Hein? Moxie. T'as pas dit Foxy? Je crois que si, mais on va dire que c'est pour ça. Foxy. C'est pour ça que j'ai pas compris. En même temps, elle a une quête pour nous. Oui. Putain, bah Foxy, c'était une meuf avec tes collets pareil, même si t'as 12 ans. Hein. On se voit. Voir site. Prison, me voilà. Salut Emile. Salut Emile. Fous la chung dans Emile. Ah, je m'en lasserai jamais. Connais, je suis comme Emile. Oui. Merde. Oh le con. Oh. C'était quoi ce bruit? Attends. Non, ça va en fait. En fait, j'ai. C'est de la compote que je bouffe. Et le problème, c'est que j'ai le micro devant la bouche et j'ai cru que j'avais trempé mon micro dans la cuillère. Mais non, j'ai juste tapé avec. T'as le mec, il trempe son micro dans la compote. Ah, j'ai compris ce que tu voulais dire. Pas besoin de faire un dessin. Eh hey, bah attends, pourquoi tout le monde reprend demain? C'est bizarre. Est-ce qu'en fait j'ai cours demain? Je vais vérifier parce qu'on fait la doute. Non mais l'air con. C'est bizarre quand même, tout le monde reprend demain. C'était pas de ma gueule. Normalement ouais, c'est la fin des vacances scolaires. On est le combien de 2. Ouais c'est bon, j'ai pas cours. Istaros, il est aussi mou qu'un chic. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Bon, la jeunesse crasse sur la... Les gens, les personnes âgées, y a plus de respect vraiment. Ouais. Vous. Plus aucun respect. Moi, je peux encore le faire pendant 19 jours. Ouais. Mais bon. Et après, je serai dans le troisième âge. Un dentier, la hanche en plastique. Ouais. Ah, le plus compliqué, il faut s'y faire, c'est quand tu vas te coucher, il faut sortir tes dents et les mettre dans un verre d'eau à côté de ton lit. Après. Ouais, mais t'as un avantage. T'as le monte-escalier. Stana. Ouais. Voilà. Oh, elle redonne une quête. Oh, je l'ai pas vue. Pardon. je suis déjà sorti. J'imagine trop Moxie. Mais attendez, les gars, j'ai... Ah. Bon. C'est pas grave, ils reviendront. Et on est derrière la porte. Non. C'est mort. C'est con, la récompense, c'était moi. Ouvre la porte, bordel, ouvre la porte.